Dieu qui est vivant. Nous servons un Dieu qui est vrai. Amen. Et nous avons vu les témoignages, comment Dieu agit. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que nous allons un peu plus loin. Amen. Avec le Seigneur. Amen. C'est un pas de plus. Une étape. Une échelle. Amen. La montagne à gravir, c'est toujours quelque chose de plus. À chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu et que nous ouvrons notre cœur avec foi, nous allons un peu plus loin avec le Seigneur. Et Dieu est glorifié. Amen. Soyez bénis encore. Merci, pasteur, pour le privilège d'apporter la parole de Dieu. On va lire dans 1 Roi, amen. 1 Roi, chapitre 18, versets 36 à 38. 1 Roi, chapitre 18, 36 à 38. J'attends que vous trouviez, c'est affiché, sinon vous pouvez suivre à l'écran. Et nous voulons lire ces paroles. Alléluia. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Dans le verset 37, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que le peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Verset 38, et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et la terre, et observa l'eau qui était dans le fossé. Amen. Amen. Alléluia. Moi, j'ai un titre très simple ce matin à vous communiquer: Dieu répond aux prières. Amen. Alléluia. Vous savez, la prière change les choses. Amen. Et Dieu nous commande, nous demande de prier. Amen. Amen. Nous devons être des hommes, des femmes, des jeunes qui prient. Amen. Amen. Qui sortent de la chair, de l'état charnel et qui rentrent dans le même esprit et qui rentrent dans cette chambre, dans cette intimité avec Dieu et prient le Père Céleste. Et Dieu répond, amen, aux prières. Alléluia. Amen. Moi, je crois que Dieu répond aux prières. Amen. Nous avons entendu depuis les témoignages. Et chacun de nous, nous savons que Dieu répond aux prières. On veut être encouragé ce matin que le diable ne va pas nous mentir. Amen. Que Dieu, que nous servons, le Dieu Jésus-Christ, amen, répond aux prières. Amen. Moi, ce matin, je crois qu'à la fin de cette réunion, ou pendant cette réunion, il y a quelque chose qui va se produire dans ce lieu. Amen. Le feu de Dieu va descendre pour consumer et pour apporter une réponse. La pluie du Saint-Esprit va descendre dans ce lieu pour un but bien précis. Alléluia. Et moi, je le crois. Moi, je le crois ce matin. Amen. Alléluia. Donc, nous avons l'histoire d'Élie. Et ce matin, ce n'est pas une histoire inconnue pour vous parce que le pasteur vous a enseigné les mardis. Donc, j'aimerais que vous dites amen. Alléluia. Dieu est vrai. Amen. Donc, prêchez avec moi parce que nous voulons terrasser qui? L'ennemi. Amen. Amen. Nous voulons terrasser l'ennemi dans le nom de Jésus. Et on va être encouragé ce matin par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu n'a pas changé. Elle est la même. Et donc, nous pouvons être encouragés des millièmes et des millièmes de fois d'une façon ou d'une autre. On ne va pas dire que le pasteur n'a pas bien enseigné ou pas, ou ce que je vais dire aujourd'hui, ça va être différent. Peut-être, oui. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. C'est d'ouvrir son cœur à recevoir. Amen. La parole de Dieu. Donc, le prophète Élie a confronté les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté sur le mont de Carmel. En les défiant devant tout le peuple que le vrai Dieu va répondre par le feu. Amen. Amen. Le roi Akab, qui était un roi qui s'est perverti en suivant. En fait, ce roi-là, il s'est détourné de Dieu et il allait auprès de Baal par la séduction de sa femme Jézabel. Le prophète Élie a provoqué à ce moment-là quelque chose d'incroyable. Il a provoqué la sécheresse en Israël. Amen. Alléluia. Il a provoqué la sécheresse pendant 3 ans et demi sur Israël parce qu'ils se sont détournés de la face de l'Éternel. Le peuple d'Israël était dans la désobéissance totale. Ils sont allés vers des idoles, vers des statues. Et se prosternaient, ils ont rendu même un culte à base. Alors que ce sont des images qui sont taillées des mains des hommes.
Donc, psaume 135, versets 15 et 18 nous dit, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ils ne parlent point. Elles ont des yeux et ils ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Elles ressemblent à ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Donc, c'est à ce Dieu-là que le peuple d'Israël s'est tourné. Nous ne servons pas ce Dieu-là. Nous ne servons pas une statue. Nous ne servons pas Dieu qui ne peut pas nous voir. Nous ne servons pas le Dieu qui n'a pas la respiration et l'air. Nous servons le Dieu qui parle. Quand il agit, il y a quelque chose qui mouve et qui bouge. Amen. C'est à ce Dieu-là que nous servons. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu est là. Amen. Et c'est à ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Et quand nous parlons et qu'il vient et qu'il nous parle, il y a des choses qui se passent. Amen. Alléluia. Il y avait la sécheresse. C'était si pesant en Israël que même le prophète a dû aller s'échapper dans le torrent de Kérir pour pouvoir se nourrir par les corbeaux. Tous les jours, les corbeaux lui apportaient à manger. Alléluia. Amen. Juste pour les informations, Baal désignait un dieu universel de fertilité, lequel ses fonctions porteraient le titre de prince seigneur de la terre et aussi celui du seigneur de la pluie et de la rosée. Astarté s'identifiait sous l'influence de la planète Vénus. C'était la déesse de la bataille, des guerres, des violences. Et comme titre, la reine aussi de victoire. Elle était aussi considérée comme le démon de la débauche. Et tous ces prophètes de Baal et d'Astarté étaient sous le contrôle de Jézabel. Que veut dire? Ils étaient sous la domination satanique. Et voilà que Élie est resté le seul prophète en Israël. Alors Élie, Dieu lui parle, lui dit, dans 1 Roi 17:1, il dit, « Dis au roi Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, donc je suis serviteur, il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni fruit, sinon à ma parole. » La Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc ce prophète-là, il vient voir Achab, le roi, et lui dit, « Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée, pendant 3 ans et demi. » Amen. Et cela fut accompli. Hein. Pendant ce temps-là, Dieu a maintenu sa promesse. Parce que le serviteur de Dieu a parlé et Dieu a honoré sa parole. Pendant ces 3 ans et demi, il n'a eu plus pendant sur la terre. Amen. Amen. Le pays était dans la sécheresse. Le pays était troublé. Le roi Achab dit à ses serviteurs, un de ses serviteurs qui s'appelle Abikias, qui craignait Dieu, c'était un des chefs de sa maison, il lui dit... Ils voyaient que le pays était sec. Et donc, ils ont décidé de parcourir le pays vers les torrents, vers les sources, pour voir s'il y avait encore de l'herbe, pour pouvoir justement sauver les chevaux et les bétails. Donc, ils ont commencé à parcourir le pays. Et chacun a pris un chemin. Amen. Chacun a pris un chemin. Il dit, parcourons le pays. Et sur le chemin, le serviteur Abidias rencontre le prophète Élie. Il a reconnu que c'était l'homme de Dieu. Amen. Il s'est jeté à ses pieds. Et il lui dit, Élie lui dit, va voir le roi Achab et tu lui dis que je veux le voir. Alors que dans l'histoire, la Bible nous dit qu'ils l'ont cherché dans les nations, partout. Ils ne trouvaient pas Élie. Et là, Élie se présente au serviteur d'Achab. Il dit, maintenant je t'envoie dire à Achab que je veux le voir. Et ce serviteur l'a dit, mais il va me tuer. On t'a cherché par toutes les nations. Et à chaque fois, on dit, c'est lui qui est dans le péché. Amen. Combien de fois le diable veut accuser les enfants de Dieu? Combien de fois nous sommes pointés des doigts parce que nous marchons dans l'intégrité, parce que nous marchons droit, parce que nous avons choisi le commandement de Dieu. Amen. Je ne ferai point d'image taillée. Amen. Amen. Je n'utiliserai pas le nom de l'Éternel pour tromper. Non, je n'utiliserai pas. Plutôt,
j'observerai le dimanche comme chacun de nous l'avons fait ce matin. Nous observons le sabbat. Amen. Alléluia. Je ne commettrai pas de meurtre. Je ne commettrai pas d'adultère. Je ne commettrai pas de vol. Je ne porterai pas de faux témoignages et je ne convoiterai pas. Amen. C'est ça les enfants de Dieu. Donc nous devons être fiers de pouvoir faire cela. Alléluia. De marcher dans l'intégrité. De pouvoir suivre les ordonnances de Dieu. La loi de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que Dieu honore sa parole. Alléluia. Et ces ordonnances-là, Baal et le peuple d'Israël avaient délaissé. Ils avaient mis ça de côté et se sont tournés vers Baal. Alléluia. Jésus-Christ est venu accomplir les lois et ses ordonnances. Jésus-Christ est la parole. Quand il est venu accomplir toutes ces lois, toutes ces ordonnances, sur la croix même, il a dit, tout est accompli. Amen. Et non seulement il a dit ça, et un des disciples lui a posé la question, quel est le plus grand des commandements? Il a résumé en deux commandements. Amen. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Et le second qui est semblable, tu aimerais ton prochain comme toi-même. Alléluia notre cœur. Amen. Est-ce que nous aimons le Seigneur de toute notre âme et de toute notre pensée? Alléluia. Est-ce que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes? Alléluia. Est-ce que je peux voir cela? Est-ce que nous aimons? Alléluia. Est-ce qu'on peut traverser les déserts avec le frère ou la sœur ensemble? Alléluia. Élie lui avait dit, vous avez abandonné le commandement de l'Éternel. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Et si c'est Baal, allez auprès de lui. Et le peuple ne répondit rien. Amen. Et ici, ces questions, est-ce que nous sommes vraiment de côté du Seigneur? Est-ce que nous sommes à 100% avec Dieu? Alléluia. Est-ce que notre cœur est entièrement au Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous sentons qu'il y a des efforts à faire? Est-ce que la question que vous pouvez poser, est-ce que vous avez encore fait un pas de plus? Amen. Est-ce que nous pouvons faire plus pour le Seigneur? Alléluia. Et là, la question, c'est, il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Il n'y a pas ce Dieu qui peut venir sur la terre et se manifester son amour, mourir sur la croix pour nos péchés. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous servons. Et nous devons être du côté de Jésus-Christ. Amen. Oui, non, nous ne devons pas avoir un pied dans le monde, un pied dans l'église. Un pied dans le monde, ça veut dire... Combien de temps je passe devant la télé? Combien de temps je passe devant des jeux vidéo? Combien de temps je passe devant les Facebook et les Internet? Combien de temps nous passons? Nous avons 24 heures chacun. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a un temps de louange, d'adoration? Est-ce qu'il y a un temps de dévotion personnelle? Est-ce qu'il y a un temps de sacrifice? Ce matin, nous allons parler de sacrifice. Amen. Parce que nous voulons voir le royaume de Dieu avancer. Est-ce qu'il y a un temps de jeûne et prière? Est-ce qu'il y a un temps de sacrifice? Oui, je suis fatigué, mais je viens à l'église quand même. Oui, j'ai travaillé la nuit, je viens à l'église quand même. Oui, je suis fatigué, je supporte mon pasteur quand même. Oui, je suis fatigué, je supporte la louange. Oui, je suis fatigué, je vais prier pour un frère et une soeur. Alléluia. Est-ce que nous sommes de cela? Alléluia, parce que Dieu demande de quel côté tu te mets. Amen. Oui. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'a étonné hier. On va faire une petite démonstration avec le pasteur. Amen. On va, pasteur, tu vas te mettre devant. C'est comme le rugby. Amen. Oui. On va prendre la Bible. Et on va courir par là. Je veux que tu viens avec moi. Comme ça? Oui, non, à la main comme ça. Non, viens de mon côté. Viens de mon côté, pasteur. Tu vas courir, moi je vais courir vers toi. Et donc lui, il doit marquer le but. Oui. Et vous savez, qu'est-ce que j'ai retenu? De le soutenir. S'il tombe, je l'entoure pour que l'ennemi ne l'attaque pas. Et si moi je prends la balle, il me suit. Et si je tombe, il est là pour me couvrir, pour me retenir. Et j'entends, soutenez-le, soutenez, soutenez, soutenez. La seule chose, c'est de soutenir. Amen. Donc, de quel côté nous mettons. Et j'ai appris une chose que nous devons être avec un frère. Amen. Nous devons être avec une soeur. Et nous devons l'entourer. Il a. Il n'est pas dans le péché. Peut-être il est tombé, mais il a l'épée, il a la balle. Et il veut avancer. On ne va pas le laisser
pour que l'ennemi l'attaque. Non, on va l'entourer, on va le soutenir. On va dire non, continue. Mon frère, ma soeur, je suis avec toi. Amen. Et c'est là qu'on va faire. Et c'est pour le pasteur, il est là, on va le soutenir. On va le soutenir, on va l'encourager. Parce que nous sommes une équipe. Amen. Nous sommes une équipe, on veut aller de l'avant. Alléluia. Et c'est là qu'ils gagnent, qu'ils marquent des buts, parce qu'ils sont entourés des équipes de renfort qui les soutient. Et à chaque fois j'entendais, soutenez-le, soutenez-le, soutenez-le. Je dis, waouh, ça c'est quelque chose qu'on doit pratiquer, même dans, dans l'église, pour les chrétiens. Oui, exactement. Ça met le pays au vie. Amen. Et le Seigneur le fortifie. Fais attention, mon père Samuel. Amen. Alléluia. Et donc, comme ils sont sous la montagne de Carmel, et l'opposition se fait entre les faux dieux et le vrai. Amen. Dieu n'est pas semblable. Amen. Dieu, il est l'unique. Amen. Dieu, il est le véritable. Et comme il était là avec les prophètes de Baal, et lui, il a dit, prenons deux taureaux et on va les couper, on va mettre sur le bois. Amen. Et ensuite de suite, vous ne mettez pas le feu. Alléluia. Et le Dieu qui va répondre par le feu, ça sera le vrai Dieu. Alléluia. Ça sera le vrai Dieu. Église, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta situation, ton problème, tu dois dire, mon Dieu est plus grand. Amen. Mon Dieu est plus puissant. Amen. Amen. Aujourd'hui, je te défie, l'ennemi. Aujourd'hui, la maladie, je te défie dans le nom de Jésus. Amen. Les penchants, aujourd'hui, je te défie dans le nom de Jésus. Le péché, je te défie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. On ne doit pas fuir l'ennemi. On doit résister à l'ennemi. Amen. On doit résister pour savoir que nous sommes sur le ferme rocher. Amen. Pour dire non, mes pieds sont quelque part. Oui, un fondement. Le frère nous a témoigné comment Dieu l'a sorti, Dieu l'a conduit, comment il a eu des témoignages, comment il a avancé avec le Seigneur pour que ses pieds soient sur le ferme rocher. Alléluia. Et de là, comme nous savons qui nous sommes, que je suis un enfant de Dieu, oui, j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Oui, l'Église a été rachetée par son propre sang sur la croix. Amen. Donc, de cette position dans laquelle je suis, je peux résister à l'ennemi. Je dis aujourd'hui, là. Non, l'ennemi, aujourd'hui, là, tu vas savoir que mon Dieu est vrai. Amen. Alléluia. Que mon Dieu est véritable. Alléluia. Que mon Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour Élie, il va faire dans ma vie aujourd'hui. Alléluia. Et moi, je le crois ce matin. Donc, ils ont découpé ces animaux qui ont pris aussi leur place. Amen. Ils ont égorgé ces animaux, ils ont mis sur l'autel. Et ils ont dit au Dieu de Baal, au prophète, de commencer à prier à leur Dieu, parce qu'ils étaient plusieurs, ils étaient 450 exactement. Il leur dit, priez votre Dieu qui vous répond. Oui. Ils ont commencé à prier du matin jusqu'à midi. Il n'y a rien. Ils ont commencé à... Et même Élie a dit, mais priez plus fort. Priez plus fort, criez plus fort. Peut-être qu'il est occupé à une affaire. Peut-être qu'il dort. Ils ont commencé même à cisailler la peau. Il y avait le sang qui coulait. On va prendre soin d'aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Amen. Quel est notre but aujourd'hui? Est-ce qu'on est venu pour avoir la victoire sur l'ennemi? Alléluia. Pour confronter une fois pour toutes l'ennemi sur l'église, à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Élie est resté dans cette communion. Sa relation, son intimité avec le Dieu le pouvait dire, je vais rester ferme. Amen. Je vais rester ferme. Vous savez quoi, j'ai oublié une chose. Moi, j'ai dit au Seigneur, je tombe, je me relève. Amen. L'ennemi ne va pas sourire à mon sujet. Amen. Amen. Alléluia. Je tombe, je me relève. Je vais encourager. Amen. Oui, là où je suis tombé, je vais encourager. Oui, où je suis tombé là, je vais dire, Dieu peut te garder. Amen. Dieu va te protéger. Tu peux aller encore plus loin avec le Seigneur. Amen. On ne doit pas être de ceux qui vont pointer les doigts à ceux qui sont tombés. Mais de dire, ils sont sortis avec un témoignage. Amen. Élie, quand il est resté, il est parti se cacher, peut-être, dans le torrent. Mais il est sorti avec un témoignage parce qu'il était en communion avec le Seigneur. Amen. Et il pouvait sortir et tenir face à Acab. Alors que le serviteur avait peur, il dit, l'Éternel est vivant. Amen.
l'Éternel est vivant. Il n'a pas occupé de son cas. Il a dit, l'Éternel est vivant. Ne crains pas. Vas-y simplement. Parce que Dieu va faire la différence aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nous servons ce Dieu qui fait la différence. Ce que j'aimerais vous dire, l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu va vous faire expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Par l'obéissance de croire à ce que Dieu dit. Même si vous ne comprenez pas, va à un moment donné, Dieu va se manifester et va montrer sa gloire dans votre vie. Parce qu'il dit non, mon fille, mon fils m'a obéi. Alléluia. Même quand il ne comprenait pas. Et Dieu agira. Alléluia. Donc on doit être un peuple qui va obéir. Alléluia. Qui va obéir à la parole de l'Éternel. Amen. L'Esprit de Dieu était sur Élie, comme j'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Et voici. La Bible dit que le feu est descendu pour consumer, pour juger. Amen. Pour que le peuple sache le vrai Dieu. Mais ce n'est pas arrêté là. Parce qu'il est suivi d'une autre pluie. Il y a quelque chose qui est descendu du ciel aussi. Amen. Parce que vous vous souvenez que Élie avait fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Entre les deux, le feu est descendu pour consumer, pour juger. Amen. Pour déclarer qui est le vrai Dieu. Et après, Élie est parti voir le roi Akab maintenant pour dire, j'entends un bruit. Alléluia. J'entends un bruit. Il entend un bruit d'un vent qui va venir. Amen. Il lui monte. Parce que ça va s'approcher. Élie monte sur la montagne. Amen. Et il s'est mis à terre. Il s'est mis son visage entre les genoux. Il a commencé à prier. Il dit à son serviteur, va voir de côté de la mer. Il va, il revient, il n'y a rien. Une fois, deux fois, trois fois, jusqu'au 7e fois. Il dit, oui, je vois comme une pomme d'une dame en dame. Alléluia. Et parfois, nous pouvons considérer ces petits. Alors, ne méprisez pas l'œuvre de Dieu. Il s'est levé comme une feuille plante. Amen. Dans Ésaïe 53. Personne ne pouvait le regarder. Il était méprisé, abandonné des hommes. C'est un homme de douleur. Tout le châtiment est tombé sur lui. Par ses maltraitances, la Bible nous dit que nous sommes guéris. Donc c'est pour dire que ses paumes de main allaient grandir avec le temps. Donc la Bible nous dit que dans un instant, ses paumes de main devint. Tout le ciel devient obscurci. Et une forte pluie est descendue sur eux. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est que la pluie est une bénédiction de Dieu. Amen. Pour les nations, pour les pays, pour une terre, pour même quelqu'un, simplement, parce que nous avons besoin de la pluie. Là où il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse. On voit des gens meurent. Donc la pluie est une bénédiction. Alléluia. La pluie est une bénédiction de Dieu. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit vient avec sa puissance. Amen. Pour la pluie vient pour nous bénir. Ce matin, j'aimerais qu'on va se lever. Alléluia. On va prier. Alléluia. On va prier. On va prier pour le feu et pour la pluie. Alléluia. Pour le feu et pour la pluie. Le feu doit consumer le vieil homme. Alléluia. Le feu, quand il vient, il peut consumer la maladie, quelle que soit la maladie. Alléluia, parce que nos corps doivent être en bonne santé. Alléluia. Le feu, quand il vient, il peut consumer le péché. Alléluia. Le feu, quand il vient, il brise les chaînes. Le feu, quand il vient, il consume toutes les mauvaises racines. Les idoles, l'indifférence. Le feu, quand il vient, il aussi il consomme une vie de routine, sans puissance. Sans puissance. Le feu a pour but de nous transporter dans une autre dimension. Le réveil viendra dans notre vie, dans notre famille, à condition que nous serons ce sacrifice vivant. Alléluia. Élie s'est levé. Amen. Il s'est levé parmi tout le monde. Il a dit, je vais être ce sacrifice qui va défier
le roi et tout le peuple, tous les prophètes. Alléluia, Père éternel, mon roi. Et Jésus-Christ, ça fait plus de 2000 ans qu'il est mort sur la croix du calvaire. Jésus-Christ était le sacrifice parfait. Amen. Et quand Jésus-Christ est mort, le feu ne pouvait pas descendre sur lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le créateur du feu. Il a dit non, le feu n'est pas pour moi, mais le feu, ce sera pour mes disciples, le jour de la Pentecôte. Donc tous les sacrifices, le feu est descendu parce que c'était des sacrifices temporaires. Ce n'était pas des sacrifices éternels. Mais Jésus-Christ, quand il est mort, il a traversé le tabernacle, il a traversé un autel plus parfait qui n'a pas été fait de main d'homme. Et c'est pour ça que le feu ne pouvait pas descendre sur lui pour consumer parce que son corps était, doit être glorifié. Amen. Pour que quand il monte au ciel, le Saint-Esprit descend sur un peuple, l'Église de Roméi. Amen. Que nous, aujourd'hui, Dieu attend de vous, et moi, comme un sacrifice vivant. Amen. Dieu, ce qu'il attend, le temps, mon frère, ma soeur, que tu sois ce sacrifice vivant, agréable, saint, parce que le feu va descendre pour consumer tout ce qui est négatif aujourd'hui dans ta vie. Alléluia, parce que tu vas sortir une nouvelle créature en Jésus-Christ. En Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Seigneur, nous prions, Père éternel, mon roi. Nous prions, Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié, Père éternel. Que toi qui es mort sur la croix, oui, aujourd'hui, Père, nous n'avons pas emmené un troupeau.